La ville, elle a besoin d'être belle, elle a besoin d'être fonctionnelle, elle a besoin d'être cohérente. Est-ce qu'on peut le faire maintenant? C'est possible. Aujourd'hui, les villes, malheureusement, sont construites très souvent par des politiciens et par des organismes financiers. L'objectif derrière, très souvent, la plupart du temps, hein, ça sera d'avoir de l'argent, de se faire de l'argent ou de développer des stratégies politiques qui visent à avoir peut-être le plus de suffrage possible aux prochaines élections. Voilà. Certes, c'est très bien, mais ils ne sont pas que les seuls acteurs de la composition d'une ville. Donc, dans une ville, il y a des acteurs. Déjà, il y a les techniciens qu'il ne faut pas mettre de côté. Quand je parle de techniciens, je parle de techniciens technocrates, je parle des architectes, des urbanistes, des sociologues, des géographes, des ingénieurs, de tout ce panel-là qui, parfois, n'est pas toujours associé là où il faut, au moment où on prend des décisions qui impacte vraiment sur le visage futur de la ville. La ville, c'est un enjeu. C'est un enjeu. Beaucoup de gens habitent en ville. Il faut leur donner les moyens de vivre. Il faut leur donner les moyens d'habiter. Il faut leur donner les moyens de circuler. Donc, pour nous, c'est important d'agir sur le développement urbain. Le développement urbain, c'est pour nous très, très, très important. Mais souvent, quand on passe à l'échelle urbaine, on oublie cela. On oublie qu'il faut vraiment tenir compte des besoins des personnes. Ce n'est pas juste dans une maison, mais dans une clinique ou bien dans un hôpital qu'il faut penser à l'homme. Il faut penser à l'homme même dans la manière de penser l'espace et de se l'approprier. Parce que si vous avez une ville que vous présentez être un connecteur régional qui n'a pas d'espace pour zone industrielle, vous n'allez pas atteindre votre objectif. Et donc, c'est la planification urbaine qui va pouvoir donner ces instruments-là ou bien ces espaces-là à ces villes-là. Donc, quand on parle de connecteurs globaux, en faisant un plan d'urbain directeur, on tient compte de cet aspect. Comment faire pour que cette ville-là soit compétitive? Et donc, en termes de planification, qu'est-ce qu'on projette? C'est la même chose pour le connecteur régional et puis le connecteur local. Donc, la planification qu'on entrevoit sur chaque agglomération dénote de sa classification dans la matrice urbaine. La ville, elle a besoin d'être belle, elle a besoin d'être fonctionnelle, elle a besoin d'être cohérente. Est-ce qu'on peut le faire maintenant? C'est possible. Mais moi, mon problème, c'est qu'on est toujours dans les méthodes classiques. On a les outils classiques. Schéma directeur, on va faire ceci. C'est vrai, c'est ce que l'Occident a fait. Est-ce qu'on ne peut pas penser autre chose? On prend un secteur de la ville, comme Bingerville. Coucou dit Bingerville, on dit c'est un secteur, il y a une jonction entre les deux. Qu'est-ce qu'on fait? Concrètement, on fait des analyses, des vues aériennes, tac, tac, tac. On commence à prendre des décisions. On dit on ne fait plus de lotissements, on n'approuve plus de lotissements. Les lotissements qui sont là sont suffisants. On repense et on va ailleurs, on fait ceci. Il faut être concret. Parce que quand les études durent trois ans, tout à l'heure, il y a eu un conférencier qui parlait des études. Ça fait trois ans qu'ils font les études. Les formations qui sont données dans nos différentes écoles ne sont pas en phase aujourd'hui avec les défis aujourd'hui du développement de la Côte d'Ivoire également. Pour le compte de notre profession, sont d'abord la méconnaissance de la profession de géomètre expert par les acteurs d'abord du foncier, à commencer par notre administration elle-même, par la population elle-même également. Et puis, je pense que tout cela aussi dénote le manque de communication de part et d'autre. Les Ivoiriens, avant même qu'on parle de Côte d'Ivoire, ont toujours construit sans l'aide des architectes. Cette culture demeure et est même une difficulté au niveau des architectes.
le marché de l'architecture en Côte d'Ivoire, par rapport à la population et au nombre d'architectes disponibles, ce n'est pas suffisant. Donc on a besoin déjà de beaucoup plus d'architectes. Au niveau des populations, il y a peut-être, je pense, une méconnaissance du métier d'architecte, dans le sens où les populations se disent que c'est un peu compliqué de s'approcher de l'architecte parce qu'il est trop cher et qu'il n'est pas forcément abordable à toute la couche de la société, à toutes les populations. Je pense que le marché de l'architecture, bien même de la construction et du BTP en Côte d'Ivoire, a un grand potentiel, mais qui n'est pas assez utilisé, je pense, parce que tout est concentré à Abidjan et l'intérieur du pays est un peu délaissé. Il faut dire que le marché de l'architecture en Côte d'Ivoire est malheureusement différent du marché de la construction et de l'immobilier. Il faut noter qu'une grande partie des constructions se font sans architecte. Il faut faire cette distinction. Le marché se porte plutôt bien. Il a de nombreux défis, déjà par la reconnaissance du métier d'architecte au sein de la population, qui est déjà un défi à relever. Il faut qu'on arrive à montrer aux Ivoiriens qu'ils ont besoin de l'architecte. Il y a malheureusement, et comme on le dit, la nature a horreur du vide. Lorsque les architectes ne sont pas présents sur un terrain, on ouvre la possibilité ou la porte à d'autres personnes de pouvoir venir s'y installer. Et malheureusement, nous pouvons constater que le taux de réalisation d'un projet en architecture en Côte d'Ivoire reste relativement faible. La part des architectes était de l'ordre de 20%. Aujourd'hui, ça a légèrement augmenté, puisque les dispositions qui ont été prises au niveau étatique, notamment avec la commission du permis de construire, font obligation à ce que les architectes soient omniprésents sur tous les projets qui vont se faire. Je pense que déjà, on ne devrait pas différencier homme ou femme architecte. On est tous des architectes. On a tous notre place, on a fait les mêmes études, on a mis le même temps de travail, on passe les mêmes diplômes. Donc, je ne vais pas vous répondre à cette question en tant que femme architecte, mais en tant qu'architecte. Je pense qu'on vit dans des villes, les villes africaines qui sont en développement énorme. Comparé à d'autres villes européennes, le taux de développement est très effréné en fait. Et je pense que tous les acteurs de la ville, urbanisme, architectes, politiciens, on a vraiment au jour d'aujourd'hui un rôle crucial dans le développement des villes africaines. La femme, de manière générale, a toujours bâti les villes et les villages en Côte d'Ivoire. Cette réalité n'a pas changé. Et je pense même que la place de la femme s'est même améliorée. Aujourd'hui, nous avons les femmes architectes, nous avons les femmes ingénieurs, nous avons les femmes artisans. Et j'invite la population à faire de plus en plus confiance à la femme. Le rôle de la femme est le rôle de tout individu de la société. Maintenant, en tant qu'architecte, c'est de mettre toutes ces valeurs féminines-là, en plus des compétences techniques que la femme architecte, ingénieure ou technicienne aura développées au cours de sa carrière et au cours de sa formation. C'est de mettre cette sensibilité féminine-là et ce regard, cette attention aux détails-là, à la construction de la ville. Ndikato Bernemako. Ndikato Bernemako.